Hello, ça fait des années que je dois faire cette vidéo concernant le train, qui est une de mes attractions préférées. Attraction, le terme est peut-être un peu péjoratif, parce que c'est pas une attraction, on a fait un vrai train à vapeur. Je vais revenir un peu plus tard là-dessus. On démarre avec Main Street Station, la toute première, lorsqu'on arrive dans le parc. Donc la gare, les influences sont néo-haussmanniennes, avec un côté qui rappelle également les passages couverts très populaires à la fin du 19e siècle. Ce qui explique la voûte qu'on a à l'intérieur de la gare. Et bien sûr, le rappel évident sur les gares parisiennes faites au milieu et fin du 19e siècle. Cette station est magnifique parce que, regardez, on a de vrais vitraux. Ces vitraux vous rappellent les différents landes qu'on va traverser. On a également un orgue. Alors, à l'origine, cet orgue, il annonce l'arrivée du train. Ça marche pas tout le temps, il l'actionne pas tout le temps, mais normalement, lorsque vous commencez à l'entendre jouer, regardez bien, le train arrive en gare. Une info purement pratique, généralement, c'est entre 9h30 et 10h qu'il est mis en activité, et quoi qu'il arrive, il ferme à 17h. Cette magnifique affiche, on peut voir le nom original, Euro Disneyland Railroad, donc EDRR qu'on retrouve sur les ferronneries. Le parc s'appelait Euro Disneyland de l'ouverture, le 12 avril 1992, jusqu'en 1994. À partir de 1994, ce sera le Disneyland Paris Railroad, pendant un peu plus d'un an, pour en 1995 devenir Disneyland Railroad. Il n'y aura plus Paris, il n'y a pas Euro Disneyland, et depuis 1995, on l'appelle le Disneyland Railroad. Voilà, cette ferronnerie, ça n'a pas été changé, on la retrouve sous toutes les arches. Euro Disneyland Railroad, le nom d'origine. Des ferronneries, les magnifiques cadres pour les affiches qu'on a sous la gare, vous retrouvez également le logo d'origine, EDRR, Euro Disneyland Railroad. Et bien sûr, chaque escalier menant à la gare de Main Street Station, on retrouve à nouveau Euro Disneyland Railroad. Même cette vidéo va pas échapper au plan merch. Je suis au Storybook Store et regardez ces magnifiques affiches qui reprennent chaque station avec un billet. Ce sont de purs bijoux. Alors si vous vous rappelez la vidéo que j'avais faite pendant le confinement où on vous invitait chez nous, vous pouviez les voir puisque le jour où elles sont sorties, bien sûr, je les ai prises au fur et à mesure. Ça, elles sont pas sorties en même temps. Maintenant, vous pouvez toutes les avoir. Magnifique pièce. Et elles sont à 27 euros pièce. En partant de Main Street Station, juste avant d'arriver sur Frontierland, on va traverser un tunnel. Dans ce tunnel, on peut voir un immense panorama. Ce panorama, on voit les animaux du Grand Canyon, parce que c'est Grand Canyon qu'on a devant nous. Ce sont des animaux naturalisés. Naturalisés, ça veut dire qu'on a eu recours à la taxidermie. Ce sont de vrais animaux à l'origine qu'on a conservés, empaillés, comme vous voulez le terme.
À savoir que ce panorama, ce tunnel, on est juste derrière Phantom Manor. On ne le voit pas, mais vous avez toute l'attraction juste derrière. À Frontierland, c'est Frontierland Depot, pas Frontierland Station, Frontierland Depot. Donc c'est peut-être ma gare préférée, à cause de l'ambiance. Le morse qu'on peut entendre, donc, c'est le fameux discours « On revient au début, à l'entrée du parc ?» Nous sommes à l'entrée du parc. Il y a une plaque ici et une autre juste à côté. C'est exactement la même chose. C'est une toute petite partie du texte dit par Walt Disney le 17 juillet 1955 pour l'ouverture du parc Disneyland d'origine à Anaheim en Californie. À savoir, elle fut écrite par l'imagineur Marty Sklar qui a participé à la création de tous les parcs. C'était l'écrivain officiel, l'imagineur écrivain de Disneyland. En France, on a Laurent Cayuela qui a également le même poste. Donc, ce texte, une des parties, voilà ce que vous retrouvez là, en morse. Alors, je vais vous parler un petit peu de Cyrus Kurtz Holiday. Sikki Holiday, c'est le deuxième train qu'on a là. Donc, ce monsieur, il fonda une compagnie en 1859, la Hutchinson Topeka à Santa Fe Railroad. Donc pourquoi donner le nom d'un train à cette personne-là? C'est également le premier train qu'on a eu à Disneyland en Californie et qui est toujours en activité d'ailleurs. Enfin, les trains ont été revus, mais le Sikki Holiday, on le trouve également là-bas. Cette compagnie sponsorisa le train, le Disneyland Railroad, de l'ouverture en 1955 jusqu'en 1974, d'où le nom de la locomotive qui fut donnée par Walt en hommage. Et puis c'est une compagnie importante aussi à l'origine. Alors sur les wagons du Sikki Holiday, on a des noms de villes de plaisir, de lieux de villégiature. Donc on a Coney Island que j'adore à New York, vous avez Niagara Falls, Chesapeake, Long Island et Atlantic City. Tant que j'y suis, le troisième train, c'est le George Washington, premier président des États-Unis. Regardez bien les couleurs, vous avez du bleu, du blanc, du rouge. Ce sont les couleurs du Royaume-Uni, couleurs des États-Unis également et couleurs de la France. On est tous reliés. Pour les wagons, pareil, on a 5 wagons, comme pour tous les autres trains. Et les noms sont liés à la carrière de George Washington. Donc on a Yorktown, Mount Vernon, Valley Forge, Boston et Philadelphia. Philadelphie d'ailleurs qui était la première capitale des États-Unis d'Amérique. Ici, vous avez un château d'eau. Oui, il n'y a pas qu'un château d'eau au studio. Alors, le studio, il sert en décoration, en hommage au Walt Disney Studio qui avait ce château d'eau. Warner, tous les studios l'avaient. Là, vous avez un vrai château d'eau. Et quand le train s'arrête, vapeur, faut de l'eau. Regardez bien, vous avez le remplissage, ça a été dur à dire. C'est pourquoi aussi cette station est une de mes préférées. Alors à savoir, je vous mets tout de suite le lien dans le descriptif là. Vous avez la petite fiche ?
Donc, un jour, nous étions dans le train. Il y a eu un problème technique au niveau de la locomotive. On a été évacués. On a marché sur les rails. Imaginez le moment de bonheur pur que ce fut pour tous ceux qui étaient là. C'était quelque chose de magique, mais alors pour moi, peut-être un peu plus, puisque mon amour du train, le fait de marcher sur les rails. À savoir, c'est que, vu le danger qu'il peut y avoir avec la vapeur, la chaleur, le feu, quand on doit être évacué, on ne peut pas passer devant la locomotive. Du coup, on nous a fait revenir tout en arrière, d'où ce long trajet. Vas-y. Alors, franchement, c'est pas génial pour nous là. On est en pleine forêt, on va marcher sur les rails. J'avais pas vu les Euro Disneyland Railroad sur les. Oui. Coucou! Tu me diras, oui, une panne n'est pas prévue en soi, mais je devais pas filmer là, c'était spécial vlog, moment de magie en plus. Ben, il y en aura un autre, voilà. Coucou, oh, on est bien là. Oh, on est super là. J'ai envie de m'allonger sur l'herbe. Hey people! Ils sont arrivés là-haut. Non, faut faire comme Tyler. Hey people! Bah nous ça va bien, écoute, on est contents. On a des gens qui cassent le beurre qui s'occupent de nous. Fais attention à la marche. Hey, regarde où tu vas, regarde où tu vas. Je vois, je vois. Voilà. Walt, lorsqu'il était adolescent, dans un train, il vendait des journaux, entre autres, il a fait plein de travail. Et les trains ont toujours été une passion pour lui, jusqu'à créer un train dans sa propre propriété qui en faisait le tour. Donc forcément, lorsqu'il a créé Disneyland, il fallait qu'il y ait un train qui fasse le tour du parc. Ça nous permet d'avoir une vue absolument incroyable sur chaque land. Ça permet de descendre, c'est un moyen de transport absolument incroyable. Un train à vapeur, à notre époque. Là, c'est à titre personnel, c'est vraiment un point commun que j'ai avec Walt, cette passion des trains, mais des moyens de transport au sens large. Et je me rappelle la première fois qu'on est venu ici, j'avais pas vu le train, j'avais pas fait attention qu'on passait sous une gare en arrivant, ça n'avait pas interpellé. C'est d'un seul coup, j'ai entendu le siffler. Et je me suis dit, c'est quoi? Et elle est derrière, tiens, caméraman aujourd'hui. Steph me dit, il y a un train qui fait le tour du parc. Ah bon, d'accord, il y a un train. Et quand j'ai vu le train, j'ai dit, mais c'est un train à vapeur. Et le colis, c'est un train du Far West, c'est quoi ce délire? J'adore les westerns. Donc forcément, là, tout de suite, comment on fait pour embarquer? Il a fallu que je le fasse. Et je pense que c'est limite un des incontournables. Alors des fois, on est très pressé, on fait beaucoup de choses, mais j'essaie tout le temps de caser dans la journée une balade dans le train. Je suis pas un cas isolé, je sais que c'est une passion pour beaucoup de gens. Pas forcément passion des trains, mais le fait d'être assis, c'est un moment de détente pendant à peu près 20 minutes. On a des paysages variés, on fait le tour du parc, c'est juste magique. Et là, je deviens caméraman.
tu le cases aussi dans beaucoup de tes vidéos. Hein. Par rapport au train. Ouais. Dès qu'il est arrêté, il faut que... Ah oui, bah oui, bien sûr. Encore, je me limite. Donc toi, par rapport au train. Moi, au train, je m'étais déjà exprimé. Déjà, quand on est parents, c'est génial parce que c'est le seul moment où on est assis. Les enfants sont là. Quoi qu'il arrive, on peut même fermer les yeux. On est bien. Et j'adore faire le tour du parc avec le train. J'adore. J'adore. C'était vraiment génial. D'ailleurs, je me rappelle, on a déjà enchaîné à l'époque où ça arrêtait à toutes les stations, pardon. Ouais. On a déjà enchaîné un ou deux tours complets du parc. Ouais, ouais. Tellement j'étais bien dedans. Et l'odeur, important, cette petite odeur qu'on a aussi. Non, puis c'était toujours mignon avec les garçons, on décidait dans quelle station on allait descendre. Alors des fois, ils choisissent celle-là. Non, je préfère celle-là. Mais ça a toujours été super le train. Et moi, j'adore, c'est quand le train croise le bateau. Et ah oui, c'est un bon. Attention, départ étoilé. C'est parti. On embarque. On a embarqué, hein. On y va. Fantasy Land Station, alors c'est la station peut-être la plus cachée, puisque juste devant on a Mick Mickey, qui était avant une salle de spectacle. On a de chaque côté les escaliers, donc un accès pour y entrer, de l'autre côté c'est pour sortir. D'ailleurs, je vais m'installer là-bas parce que je vais vous parler de certaines choses. Je vais vous parler des trains, plus particulièrement des locomotives. Ce sont des modèles réduits de moitié, qui ont été entièrement créés par les Imagineurs. Donc le modèle d'origine, c'est la locomotive Jupiter. Alors, l'importance de la locomotive Jupiter. Nous sommes le 10 mai 1869 à Promontory Summit, pour être plus précis. Pour la première fois, il y a eu la jonction. C'est la première fois qu'un train faisait la transcontinentale, traversait entièrement le continent. Donc, la locomotive Jupiter de la Central Pacific Railroad a fait la jonction à cet endroit-là. C'était une première, un événement absolument incroyable. Il y a des films qui relatent cette aventure exceptionnelle. L'autre train qui venait en face, c'était la Union Pacific 119. Ce qui fait que dès l'origine, lorsque le parc a ouvert en Californie, on avait des versions du coup de cette locomotive Jupiter qui a une importance incroyable dans l'histoire des transports, dans l'histoire ferroviaire des États-Unis d'Amérique. Alors, très régulièrement dans mes vidéos, je dis que ce sont de vrais trains à vapeur. Il m'arrive d'en parler avec les gens lorsqu'on fait la queue parce que les gens pensent que c'est faux, comme beaucoup de choses en effet. Le Molly Brown, le Mark Twain ne sont pas de vrais bateaux. Ils sont sur des rails. Secret. Donc là, on a de vraies locomotives à vapeur. Mais souvent, les gens me disent, Chris, je veux bien. D'ailleurs, on voit le tender, le wagon où on est censé normalement avoir le charbon. On me dit, il n'y a pas de charbon. En effet, parce que la vapeur n'est pas forcément provoquée par du charbon. Alors bien sûr, dans les westerns, les trains d'origine, c'était avec du charbon. Mais ensuite, on a eu d'autres méthodes. À l'occurrence, ici, on a la vapeur, elle est créée par le diesel, tout simplement. C'est beaucoup plus économique, c'est beaucoup plus rentable, il faut dire ce qui est. Et en termes de pollution, vous imaginez bien que si c'était du charbon, on aurait une fumée noire, tout serait très très sale. Avec le diesel, on a une fumée qui n'est pas noire, on a une fumée qui est blanche, ça pollue nettement moins, ça salit moins également. Alors, en parlant de train, chaque train possède 5 wagons où on peut monter. On est à peu près dans les 300 passagers, un peu moins, un peu plus, ça dépend comment on remplit. Donc, chaque locomotive a un nom. Les wagons, regardez bien, ils ont tous un nom également. Et ce nom est lié à la locomotive, au nom qui est marqué sur cette locomotive. Alors, le premier train, c'est le W.F. Cody, William Frederick Cody, plus connu sous le nom de Buffalo Bill. Alors pour les wagons, Buffalo Bill, je ne vais pas vous faire l'historique. Buffalo Bill, vous avez vu, j'espère que vous avez pu faire le Wild West Show qu'on avait au village
où on avait le spectacle complet. Alors, les noms des wagons sont liés à l'histoire de Buffalo Bill. Donc, on a Durango, Denver, Silverton, Wichita et Cheyenne. C'est lié à son histoire, là où il s'est produit également. Entre Frontierland et Fantasyland, on traverse un tunnel. Ce tunnel, vous pouvez avoir une superbe vision inquiétante par moment. Ensuite, on peut voir notre ami Jack Sparrow sur Pirates des Caraïbes. Petit secret, lorsque vous avez fini de la vue sur Pirates des Caraïbes, regardez bien les planches en bois. Vous pouvez voir un Hidden Mickey. Il est de très grande taille, mais il est très très dur à voir. Ouvrez grand vos yeux. Il faut vraiment le voir. Il est dessiné à la craie. Il y a Hidden Mickey à cet endroit-là. Donc je répète, une fois que vous avez bien vu Pirates des Caraïbes, restez à fixer les murs pendant qu'on avance. Il y a un Hidden Mickey. Le 6 juin 1993, ça faisait un peu plus d'un an que le parc avait ouvert ses portes. Discoveryland Station, dernière station à être créée, à savoir les autres ont été créées à l'ouverture du parc. Donc celle-ci un peu plus tard. Ce qui m'amène à vous présenter le quatrième et dernier train à avoir été mis en activité. Il a été mis en activité à l'ouverture de Discoveryland Station, c'est le train Eureka. Your attention, please. The Disneyland Limited now arriving from a complete trip around the Magic Kingdom. Passengers will stand by the door. Alors, Eureka, bien sûr, on peut penser à Archimède, mais c'est surtout le cri qui était poussé par les chercheurs d'or, la fameuse Golden Rush qu'il y avait eu. Je vous invite à voir le film La Rue vers l'or de Chaplin, Indémodable. Donc, lorsque les chercheurs d'or trouvaient de l'or, ils poussaient ce cri Eureka, ce qui annonçait tous les autres chercheurs, on avait trouvé de l'or à tel endroit. Donc, ça a démarré en 1848, le pic a été en 1849. Sur chaque wagon du train Eureka, on retrouve le nom de ville de la Californie, plus ou moins lié avec cette Golden Rush. Donc, on a Los Angeles, San Francisco, San Diego, Sacramento et Monterey. Les amateurs de la série Zorro d'origine m'ont trouvé, ça va vous interpeller parce qu'on y va assez souvent. Et pour ce qui est de San Francisco, amateur de football américain, mon équipe préférée, Joe Montana, un des plus grands quarterbacks de tous les temps, je le vénère littéralement. Il s'appelle les 49ers, donc qu'on retrouve avec le wagon. Donc San Francisco 49ers, 49, c'est là, ça a été le pic sur San Francisco de la rue vers l'or. Encore une petite digression. Le fameux pont qui mène à la baie de San Francisco, le Golden Gate, il s'appelle justement le Golden Gate, la porte vers l'or, là, littéralement, c'est justement par rapport à cette ruée vers l'or. Alors le clou de cette station, malheureusement en ce moment elle est fermée, mais c'est quand on avait la possibilité de faire le tour, on se retrouve juste en dessous le X-Wing. On a un promontoire avec une vue sur Space Mountain. Et lorsqu'on arrive, on peut voir les affiches des différentes attractions qui nous attendent dans ce land, bien entendu. Une époque où il n'y avait pas ces portillons, il fallait attendre qu'à personne nous les ouvre.
c'était ouvert. Sauf que les mentalités européennes étant très différentes de ce qui se fait aux États-Unis, les gens, à peine entrés en gare, il y en a qui commençaient à sortir, malgré les injonctions de rester assis correctement. Et en cours de route, c'était déjà produit que des gens essaient de descendre. Alors maintenant, on a ça. Et c'est très bien quand même. Euro Disneyland Railroad, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, elle me tenait à cœur. Il y aura encore beaucoup de choses à raconter. J'ai condensé. Faites ce tour, c'est juste grandiose. Et puis, n'oubliez pas l'abonnement, le pouce vers le haut, les commentaires, on regarde. Et puis sur ce, tchou tchou.